L'arbitre, le directeur de jeu, est très laxiste, il a tendance à laisser jouer. L'entraîneur a décidé de jouer en 5-4-1. L'attaquant devant va devoir être très fort. Bonne reprise du défenseur. Nouvelle occasion de centrer. Il s'infiltre dans la surface adverse. Lui au moins est temps. Nous avons maintenant une remise en jeu. Donadel. Joli duel, le ballon est gagné. Jorgensen. Holdruck. Benelli. Moutou. Donadel. Gilardino. Bien joué de la part du défenseur. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Gilardino. Moutou. Vargas. Benelli. Montolivo. Donadel. C'est bien, ils parviennent à conserver le ballon. Donadel. Très bonne maîtrise défensive. C'est mal joué de la part de la défense et c'est toujours aussi dangereux. Construire quelque chose. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Bien défendu. Bien donné. Il passe en retrait au gardien. Holdrup. Il essaie de marquer. Et but! Quel magnifique départ! Il marque alors que l'on joue depuis moins de 10 minutes. Félicitations! Christian, je peux vous dire que si j'avais eu un pied gauche comme le sien, j'aurais pas fait du foot, j'aurais fait du taekwondo. Deuxième titularisation et il marque de nouveau. Belle preuve de régularité. Pris de l'avance 1-0. Un but d'entrée comme ça, je peux vous dire, ça va calmer les esprits. Hein. C'est sûrement un grand stimulant d'ouvrir la marque à ce moment de la rencontre.
ça passe d'un rien au-dessus. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, qu'il allait tirer de partout, qu'il allait faire des frappes en me tuant, voilà. Gilardino, Jürgensen. Nouvelle occasion de centrer. Ouais, bien joué de la part de la défense. Le duel est remporté, c'est bien. Oh, il y a un bon coup à jouer. C'est bien de la part du défenseur. Et Gilardino. Pour Jürgensen, Donadel. Ils reprennent le ballon. Bon travail et bonne possession du ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Il l'a mal capté. Nouvelle occasion de centrer. Et le voici qui remonte à toute vitesse de l'arrière. Il a plusieurs solutions. Non, il a manqué la cible. C'est impossible de marquer de la lame d'être fermée. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Face à face avec le gardien. Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Ça, c'est un beau but, Christian. On met un gauche qui ne sert pas cadencer. Les supporters sont en délire après cette frappe étonnante. C'est vraiment du grand football. De 0, c'est vraiment une bonne avance. Ouais, c'est vrai qu'avec une avance de 2 buts, une équipe peut se relâcher. Donc un but juste encaissé par l'adversaire, et là tout le match est relancé. Un bon moyen, c'est sûr, c'est d'aller chercher un troisième but avant le repos. Encore une occasion de centrer. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Attention, ils peuvent marquer sur ce ballon perdu. Ils peuvent construire quelque chose. Bon dégagement. Dans la surface de réparation. Belle déviation en corner. Et il tente de marquer. Ça n'échappe pas au gardien. Coup de tête qui écarte le danger. Attention, le ballon a été perdu. C'est malin. Près de la ligne de touche, c'est jamais idiot. L'attaque ne donnera rien. C'est mal joué de la part de la défense et c'est toujours aussi dangereux.
Et c'est dedans. Oh, bien joué. Et quelle belle image de joie. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. Écoutez la colère des supporters. Franchement, il fallait s'y attendre, car ici, on ne cache pas ses sentiments. Seulement un but sépare les deux équipes. Ça, c'est le but idéal qui arrive au bon moment. Ils étaient menés de deux buts. Là, c'est sûr que ça va leur permettre de revenir dans la partie. Ils ont été récompensés de leurs efforts. Ils sont capables maintenant d'aller égaliser. Il y a du but dans l'air. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Encore une occasion de centrer. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Ce ballon est beaucoup trop mou pour espérer quoi que ce soit. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Montolivo. Attention le défenseur, il faut revenir. Mais où est la défense? Il faut la reprendre. But ! Et maintenant, c'est de la folie dans le stade, car ils réussissent le break. Félicitations. Et vous avez vu comme ses yeux se sont illuminés quand le gardien a relâché le ballon. Là, après ses pieds ont fait le reste. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. Une différence de deux buts, ça peut suffire. Ballon renvoyé en arrière. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Bon blocage par le défenseur. Il essaie à nouveau. Il va pouvoir marquer. Entre les poteaux, mais bien au-dessus, il s'est trompé de sport. On a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper et la défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Il faut accorder, mais oui, c'est trop physique. C'est une frappe. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Construire quelque chose. Boutou. Quelle interception dans les 16 mètres. Super. Presque 30 minutes écoulées. Le goal la bloque. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu.
Il essaie de marquer. Donadel, Vargas. Tactiquement, ça joue assez bien, mais maintenant l'essentiel, c'est de marquer un but. Dans la surface de réparation. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Donadel. Gilardino. Le portier détourne un corner. Premier changement de leur côté. Pas étonnant qu'il soit remplacé. À mon avis, il était loin d'être en forme. Je ne pense pas qu'il soit très content de son match aujourd'hui. Oui, il a marqué. Et regardez la joie sur son visage. Qu'est-ce que c'est sympa. Voyez comment il s'est libéré facilement de son marquage pour mettre une passe-tête hors de portée du gardien. Ils ont un but de retard, mais c'est pas terminé. Nouvelle occasion de centrer. Que va-t-il faire? Et c'est dégagé. Il a été devancé sur le ballon. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Gilardino. Waldrup. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais ils circulent bien, ça peut suffire pour marquer un but. Jorgensen. Récupération du ballon. Back. Benelli. Jorgensen. Donadel. Il est face au gardien. Il a dû manquer de concentration, c'est hors du cadre. Je crois que c'est pas de sa faute sur ce coup-là. C'est le gardien qui a fait la différence pour moi. Deuxième remplacement pour cette équipe. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Son remplacement me paraît normal. Ça peut se terminer au fond. Le ballon est détourné. Corner. Il décide de jouer court. C'est peut-être le tournant du match. Bien vu de la part du défenseur. Boutou, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Jorgensen. Le ballon est pour l'autre équipe. Bien joué ici. Il lui faut de l'espace. Il prend sa chance. De Gaulle a dégagé le ballon. Corner. Non loin du premier poteau.
danger est écarté grâce à ce beau pressing. Gilardino. Jorgensen. Montolivo. Bien joué de la part des défenseurs. Il a mis le pied sur le ballon. Donadel. Jorgensen. Et Moutou. Donadel. Pour Moutou. Charge irrégulière, coup franc. Il aurait pu prendre un carton. Finalement, c'est un simple rappel à l'ordre. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les options? Oh, ça va vite! Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. Gilardino! Ça va peut-être rentrer. Cette attaque ne donnera rien. 40e minute de jeu et il ne mène que d'un but. Pour Jorgensen. Ça peut être extrêmement dangereux. Encore une occasion de centrer. Il peut encore avancer. Et c'est un corner pour eux. Il envoie au milieu de la surface. Attention, énorme danger. Il tente. Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. C'est beaucoup trop maladroit. Benelli. Montolivo. Papa Wego. Ils peuvent construire quelque chose. Il peut provoquer le gardien. Ce contre peut être redoutable. Le tir est décoché. Tir à ras de terre, capté par le gardien. Une seule minute d'arrêt de jeu. Montolivo, il a vraiment une super couverture de balle. Le danger est écarté. Ils reprennent le ballon. Benelli. Montolivo. Et Jorgensen. Il va pouvoir marquer. L'arbitre signale la fin des 45 premières minutes. Et quand tu les vois jouer aussi mal alors qu'ils mènent au score, ben j'aimerais pas être là pour commenter le match quand ils sont menés. 3 buts à 2, c'est peut-être un match historique. Nous voilà dans la deuxième mi-temps. Les entraîneurs des deux camps ont mis les choses au point durant la pause. Y aura-t-il des changements tactiques? Ça, c'est vraiment du bon boulot. Oh, ce ballon va remonter très vite. Encore une belle occasion. Il est rentré dans la surface. Papa Wego. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Encore une occasion de centrer.
Va-t-il la mettre au fond des filets? Les supporters vont être déçus par cette frappe. C'est vraiment dommage, il est poussé, il a le temps de faire cette frappe-là, il a même le temps de lire le journal avant de marquer. Montolivo. Papa Wego. Montolivo. Gilardino. Montolivo. Attention, énorme danger. Dégagé par le défenseur. Il peut peut-être marquer. C'est dedans. C'est dedans et ça fait mal au moral. Cela arrive à un très mauvais moment de la partie. C'est bien servi de l'appel des attaquants pour venir marquer ce but. Ça, c'est la loi du milieu. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. C'est la fête pour les attaquants, mais franchement, les défenseurs ne sont pas à la hauteur. Ah, là, il lui arrive vraiment ce qu'il ne voulait pas. Là, l'entraîneur, il va falloir qu'il prenne quelques décisions délicates. Qu'est-ce qu'il va faire, le travail? Il va aller chercher un autre. Et c'est dedans, bien joué, ils reprennent l'avantage, il fallait avoir du cœur. On le sait pourtant que c'est dans les 5 minutes qui suivent l'égalisation qu'il faut être vigilant. 3 buts, quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Franchement, on est gâté, il y a des buts dans tous les sens. Oh, il vient encore une fois de casser les reins de la défense. Et ça peut être le but de la victoire. Avec tout ce qu'ils ont donné, remarquez, ça se mérite un petit peu. Hein. Ils ont de l'avance et la possession du ballon. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Nadel, Waldrup. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Le contre, c'est l'arme fatale. Il décoche un tir. Tir du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Excellente tête. Tiré décoché. Le portier l'a attrapé. Il n'arrête pas d'attaquer. C'est un vrai régal. Ils vont peut-être en marquer un autre. Papa Wego. Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué. Mais évidemment, les supporters aimeraient en voir plus. Jorgensen. Donadel. Ballon intercepté par le défenseur.
Ce ballon est bien haut. Le danger est écarté. Gilardino. Moutou. Sur 15 mètres, il est imbattable. Jorgensen. Montolivo. Une défense intraitable, superbe. Papa Wego. Et Jorgensen. Il faut bien reconnaître qu'il s'accroche encore. Le ballon circule bien, mais il faut concrétiser ses mouvements. Il est dans la surface. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. C'est très haut. Du pied, dégagement sûr. Nouvelle occasion de centrer. La frappe est décochée. Il a complètement gâché cette occasion. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match. L'arbitre leur a accordé un nouveau corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Il y a maintenant 6 mètres. Faute indiscutable, coup franc normal. C'est vraiment loin. C'est chaud bouillant. Balle au pied, il est solide, il conserve le ballon. Encore une belle occasion. Dégagement. Moutou. Malgré la charge de l'adversaire, il tient debout. Allez, ça doit aller au fond. Il l'écarte du coin. Ça se joue à pas grand-chose, mais il est hors jeu. Il lui a piqué le ballon. Montolivo. C'est beaucoup trop imprécis. Gilardino. Vous jouez le ballon, pas le joueur. Bien donné. C'est dans le mille. Mais non, il est où le gardien là-dessus? Il doit intervenir, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il a qu'un seul pied. Et quand il s'en sert, c'est toujours pour marquer. Les buteurs des deux camps sont à l'affiche et on pourrait en voir d'autres. Là, c'est bien qu'ils égalisent. On peut s'attendre à un effet intéressant quand même. Est-ce qu'on va avoir un éclair de génie ou alors une cagade de la défense? Mais le pressing, ça paye. La touche est bien placée. Encore une occasion de centrer. C'est chaud pour le gardien.
Le ballon passe au-dessus. Ah, je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. Là, c'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. Donadel. Ils peuvent construire quelque chose. Il va pouvoir marquer. Il a osé. But ! C'est vraiment bien joué car ils reprennent l'avantage maintenant. Pourtant, l'entraîneur leur avait dit qu'après avoir marqué un but, les 5 minutes qui suivaient étaient déterminantes. Il avait oublié, mais là je pense que ça rappellera. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux, mais alors 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Je ne les donne pas encore battus, ils peuvent égaliser. Oh, il vient encore une fois de casser les rênes de la défense. Et ça pourrait être le but de la victoire. Avec tout ce qu'ils ont donné, remarquez, ça se mérite un petit peu. Hein. Bon travail et bonne possession du ballon. Nouvelle occasion de centrer. Que va-t-il faire maintenant? Quelle frappe! Oui, encore un! Encore un! Ils sont dans une très bonne période en ce moment! Que c'est bien joué! Qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette action? Oh, il a frappé, il a accéléré, il a marqué un but splendide! Et si celui-là ne rentre pas dans le top but de la PES League, je me fais curer. Ballon bien rendu. Ils peuvent construire quelque chose. Encore une occasion de centrer. Un ballon gagné. Gilardino. Eh oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. Nargas. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Le gardien a remis de l'ordre. Bien défendu, le ballon est récupéré. Donadel. Moutou. Jorgensen. Nargas. Pour Moutou. Bien joué, ça peut faire un contre. Joli duel, le ballon est gagné. Donadel. Et Jorgensen. Donadel. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. L'équipe a toujours la possession du ballon. Il décoche un tir.
Superbe parade du portier. N'oubliez pas de jouer le ballon, Couffrant. Dernier remplacement effectué de ce côté-ci. Peut-être que l'entraîneur veut tout simplement savoir si son remplaçant est aussi performant que lui. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Moutou. Le ballon est pour l'autre équipe. Bon retournement de situation, il a le ballon. C'est pas mal sur le plan défensif. Montolivo. Il faut qu'il marque. Et il marque. Oh là là, un écart de 3 buts, c'est vraiment important. Et ce premier ballon, vous avez vu, marque un but. Peut-être que l'adversaire simplement ne l'a pas vu rentrer sur le terrain. C'est terrible, l'entraîneur est impuissant, son équipe s'est bien battue, mais en face, ils sont vraiment beaucoup plus forts. Jorgensen. Encore une occasion de but gâché. Ah, c'était bien d'essayer une frappe comme ça, mais bon, c'est le genre de frappe qu'on ne marque pas tous les jours. Montolivo. Donadel. Jorgensen. Donadel. Ballon renvoyé en arrière. Jorgensen. Donadel. Montolivo. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Encore une belle occasion. Il dégage le coup de tête. Pour Jorgensen. Il peut provoquer le gardien. C'est encore hors du cadre, il faut s'appliquer. Et heureusement que ce face-à-face ne s'est pas terminé par un but. Parce que le gardien, il aurait eu deux mots à dire à sa défense. Le ballon est pour l'autre équipe. Et Gilardino. Allez, 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 allez,
reprend le ballon maintenant. Et Jorgensen. Le compte à rebours continue. Il a essayé de lever le gardien. Ça manque de précision. Peut-être qu'il s'est un petit peu enflammé en essayant de lober le gardien. Mais franchement, s'il marque de là, c'est quand même le but de l'année. Bien défendu. Gilardino. Le gardien a dévié la balle, corner. Qui va le prendre dans la surface ? Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Bonne reprise du défenseur. Il faut jouer même si le joueur est tombé. Ils peuvent construire quelque chose. Que va-t-il décider ? La menace est écartée. Le ballon a franchi la ligne. Et Mutu. Nagas. Pour Jorgensen. Nagas. Bon travail et bonne possession du ballon. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. Encore une belle occasion. Le gardien est en danger. Et c'est dedans. C'est peut-être le but décisif car l'avantage est conséquent. Là, c'est la conclusion parfaite. Puissance et précision, c'est la meilleure recette pour battre un gardien. L'arbitre a sifflé, c'est la fin de cette rencontre. Ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire en attaque. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Vous savez, Christian,